Hello, tas de brasier morveux, c'est MitraFneuman Nintendo Alert et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale sur Xenoblade Chronicles 3, bien entendu. Pourquoi spéciale? Parce que je vais vous montrer comment farmer de l'XP, comment monter en level. Alors c'est important d'atteindre le niveau 30 pour avoir le deuxième accessoire. Donc là on s'est TP dans un camp pouvoir réaliser une recette. C'est le camp de Benel. Pourquoi ce camp? Parce que je sais que je vais pouvoir faire la recette qui m'intéresse. Donc on vous la montre sur la, on vous montre le camp sur la carte, parce que on peut pas dans tous les camps faire toutes les recettes. Bon, il y en a d'autres où on pourrait sûrement faire cette recette là, mais bref. Donc interagir, donc on se déplace jusqu'à l'icône cuisiner un repas. C'est la première recette, la combat soupe à Manana, qui vous donne, comme vous voyez sur la droite, de l'XP, un bonus d'XP de 5% et une durée de 49 minutes. Alors, moi j'ai choisi d'utiliser les ingrédients, mais vous pouvez utiliser des doublons de pont argent, après c'est à vous de voir. Hein. Voilà, donc là on a l'effet de repas qui est actif, et pendant 49 minutes, c'est-à-dire pendant 49 minutes, vous allez pouvoir aller farmer. Farmer où, me direz-vous? Donc je vais vous expliquer un peu la situation. J'étais level 28 hier, et j'ai trouvé un endroit assez sympa pour farmer du mob. Donc c'est ici, c'est à l'arche de Diès. Vous voyez, j'ai mis même d'ailleurs un petit marqueur pour m'en souvenir. Je vais vous montrer pourquoi c'est sympa. Parce que j'ai trouvé des mobs qui avaient 12-13 levels au-dessus de moi. Vous allez me dire, ouais, c'est énorme. Non, du tout. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, vous n'allez pas me dire ça. C'est que vous savez très bien à quel point c'est compliqué de level up. Alors, il y a les soldats qui sont passés orange hier. Tout était rouge. Parce que je suis level 32 maintenant. Mais hier, tout était rouge. Hein. Quand c'est rouge, ça veut dire que vous avez un niveau trop bas normalement pour les attaquer. Mais c'est faisable. Avec la technique là qu'on va vous donner, c'est faisable. Donc, on s'éloigne parce que les soldats vont tous nous tomber dessus. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous allez taper cet inoffensif mob qui est derrière, celui-là. Enfin, inoffensif, c'est-à-dire que il va pas, lui, il vous saute pas dessus. Hein. Soit vous allez taper les araignées. Il y en a déjà qui sont en jaune hier, comme je vous l'ai dit, elles ne l'étaient pas. Et voilà. Normalement, lorsqu'on a, on tape des mobs de 12-13 niveaux au-dessus dans Xenoblade Chronicles, on prend des niveaux, mais là, level 29, pour passer au level 30, en tapant ce mob-là, on a fallu 5 essais, 5 fois. Je l'ai tué 5 fois pour prendre un niveau, c'est énorme. Après, on fait en sorte que ça aille le plus vite possible. On essaye de feinter. Parfois avec les effets visuels, c'est pas facile. Donc là, regardez le temps que ça peut prendre. Tenez compte que là, je suis level 32 hein, aussi. Hein. Enfin, si vous arrivez level 25, ça va être plus long. Hein. Donc voilà, 597 d'XP. Hier, on était proche des 700 d'XP. Après, ça dépend. Si vous venez en level 25, que vous sentez, vous gagnerez plus. Alors, l'araignée, alors elle se dégomme ultra rapidement. Vous voyez comment ça descend là, c'est ultra rapide. Ça, c'est fast. Par contre, en XP, voilà, on n'a même pas gagné 300. On gagne beaucoup moins d'XP, donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Passer un petit peu plus de temps sur le mob, ou aller rapidement et en tuer plusieurs, vraiment. Et au final, je pense que ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous attaquer à tous les mobs présents ici. J'en suis quasi certaine, et vous allez vite épée revenir. Ainsi de suite, pour farm. Mon équipe est pas très équilibrée hein, parce que j'essaye de leur faire passer des classes, donc on parfois avec 5 soigneurs. Enfin, voilà, ouais, je répète, les araignées c'est hyper rapide. Un bon moyen de monter en niveau.
si vous faites 49 minutes de farming, voilà, vous allez vous y retrouver hein, entre les effets du plat et les mobs tués ici. Vous allez vous y retrouver. Et c'est largement faisable. Je pense que vous pouvez commencer au niveau 25. Ce sera plus compliqué, mais faisable. Donc voilà, je vous remontre une dernière fois sur la carte où ça se trouve. Alors, ZL. Donc, c'est à l'arche de Diès. Et c'est toute cette zone-là où vous avez des mobs. Donc je vous invite à farmer autant que possible pour monter rapidement level 30 et avoir le deuxième accessoire de dispo. J'espère que ça a pu vous aider. Ben, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt les amis. Bye bye.